samedi avec nous ce soir. 5 super terriens. Michel Fugain. Nicolas Dupont-Aignan. Nolwenn Leroy. Balt. Et Laurent Baffy. Premier terrien invité ce soir, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est Michel Fugain. Yes. Et maintenant, l'homme qui a tendu la main à Marine Le Pen, tant que c'est pas le bras, ça va, Nicolas Dupont-Aignan. Notre terrienne de ce soir vient de sortir son 6e album. Et son premier enfant. C'est Nolwenn Leroy. Autre terrien invité ce soir, celui qui a fait beaucoup pour la place des Blancs dans la société en leur ouvrant les portes du rap, c'est Valt. Après Alex Vizorek, ce sera notre terrienne du samedi soir. Ce soir, Nomi, après avoir été captive en Arabie Saoudite, elle est devenue actrice de film X. Une histoire incroyable. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens. Le groupe Les Gréements de Fortune et le hashtag TSLT. Et maintenant, voici mon CDD, Tom Villa. Ici la voix. Ah, oh putain. Je voulais juste m'assurer que mon micro fonctionne bien. C'est tout pour le moment. Bon, on a un super plateau ce soir. Notre premier invité voit le loup, le renard et la belette, tout ça, sans aller dans la forêt, ni prendre de drogue. C'est Nolwenn Leroy. Nolwenn qui a gagné la Starac, a noté que c'est la seule candidate d'une émission de télé-réalité à n'avoir jamais redoublé son CP. Non, c'était la Starac 2, voilà, vous étiez dans la même promo que Georges Alain. Il écoute vos albums au Pôle emploi ou pas? Aucun n'est au Pôle emploi. Nolwenn qui est la bretonne la plus célèbre de France et qui a prouvé qu'on n'était pas obligé d'avoir des chapeaux à la con pour faire la fête. Hein, c'est pas un chapeau, c'est on dirait un truc pour faire atterrir les avions. Mais voilà. Très bizarre. C'est bizarre quand même. Hein. Bah ouais. C'est phallique. C'est vrai. Non, et aux États-Unis, il y a le neurologue Frédéric Carrick qui aurait prouvé les effets bénéfiques de votre voix sur les lésions cérébrales. Voilà, tout le contraire de Lara Fabian qui, elle, provoque des lésions cérébrales. Ça, c'est... Et elle vient avec un nouvel album, Nolwenn, qui s'appelle J'aime, voilà, qui s'écrit G-E-2-M-E. C'est Franck Ribéry qui a trouvé le titre ou pas? Non, pourtant, j'ai pas redoublé mon CP, mais j'arrive pas. C'est très bien. Non. Vous avez déclaré que mon album et la maternité sont entièrement liés, alors j'espère qu'ils n'ont pas été conçus de la même façon. Mais, non, d'ailleurs, vous aviez appris que vous étiez enceinte pendant l'enregistrement de ce 6e album, donc voilà, maintenant, on sait ce qu'il y a fait entre les prises. Thierry, notre deuxième invité, ça fait 40 ans qu'il nous dit « Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. » Ça commence quand, bordel? Michel Fugain. Michel Fugain, c'est impressionnant. 50 ans de carrière, c'est impressionnant. Enfin, pour Aznavour, vous êtes un débutant confirmé. Mais c'est... Non, et en bossant sur vous, j'ai découvert que vous avez failli être médecin. J'ai commencé mes études de médecine, oui. Et en même temps, j'ai envie de dire, heureusement que ça s'est pas fait, parce que... Non, j'aurais été un très bon médecin. Oui, non, j'en doute pas, mais enfin bon, c'est compliqué. T'aurais été un bon chanteur aussi. Fallait qu'il s'accroche, il a lâché trop tôt. Il y a un peu de vrai. Michel Fugain en médecin, c'est quand même compliqué. Monsieur, vous avez le cancer, mais chante comme si tu pouvais mourir demain. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Bonne blague. Bon, en tout cas, Michel Fugain, c'est des chansons mythiques, des paroles qui marquent. Voilà, c'est un beau roman, c'est une belle histoire qui raconte l'histoire d'un homme et une femme qui se croisent sur l'autoroute en faisant du stop et qui tombent amoureux. Voilà, c'est beau. Bah, aujourd'hui, ça serait plus compliqué. Comment j'ai rencontré ta mère? Dans un blabla car. Voilà, je suis tombé amoureux d'elle en gagnant de l'argent sur son dos. Voilà. Non, mais c'est vrai. Thierry, notre troisième invité, c'est le seul rappeur où on peut voir ses clips sur YouPorn. Comme par hasard, vous l'avez invité. C'est Vald, mesdames et messieurs.
Oui, super. Mais oui, Val qui a fait un clip, voilà, avec deux acteurs porno. Alors, je vous cache pas que sur YouPorn, c'est pas la vidéo qui a fait le plus de vues. Mais en tout cas, les journalistes vous comparent souvent à Eminem, vous allez en reparler. Et ça ouais, vous ça lui plaît pas trop, mais on en parlera. Ouais, ouais, non, mais estimez-vous heureux, parce que Jules, lui, n'a pas du tout ce problème. Voilà, en tout cas... Non, et Val qui s'est fait connaître avec le morceau « Bonjour », voilà, et, ouais. Et comme phrase d'accroche, vous dites « Il n'a pas dit bonjour, du coup, il s'est fait niquer sa mère », voilà. Je vois que vous êtes très à cheval sur la politesse dans votre quartier. C'est un poète. Vous avez dit bonjour avec Nicolas Dupont-Aignan ? Oui, tout à fait. C'est bon, on a sauvé le pire. Et pour terminer, Thierry, certains le considèrent comme un patriote, d'autres comme un traître, comme quoi tout est une question de point de vue ou de vocabulaire. C'est Nicolas Dupont-Aignan, s'il vous plaît. Alors, attention, parce que M. Dupont-Aignan, il ne faut pas l'embêter, parce qu'il peut partir d'un plateau à n'importe quel moment. On l'a vu au JT de 20h. Voilà, c'était ma femme. Bah oui, ouais. Oui, il n'avait pas été invité au débat avec tous les candidats. Du coup, vous étiez venu et puis vous étiez reparti. Non, mais c'était un beau coup de buzz. Voilà, en revanche, sur le plan du bilan carbone, c'était pas terrible, terrible. Mais non, donc voilà, je marche sur des œufs. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà. Vous me dites, hein, si je vais trop loin, je m'arrête. Hein. Non, parce que depuis Ménard, il balise. Mais non, mais vous faites de la politique ? Oui, je crois. Ouais. Jusque-là, j'ai bon. Ouais. En 2008, vous aviez été élu comme maire, le mieux élu de France, avec 79,70%. Et en 2014 aussi. Bon, en Afrique, ça reste un petit score, mais bravo quand même, c'est vraiment... Et donc, le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan, c'est Debout la France, voilà. Ça exclut quand même tous ceux qui sont en fauteuil. Il a lancé le mouvement le jour du Téléthon. À la dernière présidentielle, vous aviez choisi votre camp. Alors, soyons précis, Nicolas Dupont-Aignan n'a pas rallié le Front National, mais il a rallié Marine Le Pen, voilà. Rien à voir, hein, vous l'avez dit. Vous n'avez pas rallié, mais négocié, voilà. Du coup, quand vous avez demandé votre femme en mariage, c'était une négociation aussi ou c'était... C'était différent. Non, d'ailleurs, votre femme, qui est votre assistante parlementaire, ouais. Sauf qu'elle, elle bosse vraiment... contrairement à d'autres, non. Et on l'a appris, là, Thierry, cette semaine, Florian Philippot a quitté le Front National. Ouais. Et voilà, il laisse sa place de vice-président. Ouais. Du coup, dans son bureau, vous allez mettre de la moquette ou du parquet? Bon, Thierry, je vous souhaite une bonne émission. Merci, bon Tom. C'était Tom Villa. On se retrouve demain dans les carrières du dimanche. Et d'ici là, je salue Poil Vert. Et on passe maintenant à notre Théo Top de la semaine. Nolwenn Leroy, rebonsoir. Vous êtes, Nolwenn, la chanteuse préférée des Français. Êtes-vous la chanteuse préférée de Michel Fugain ? Michel Fugain fait partie de mes chanteurs préférés. Mais... Ouais. Non, mais c'est vous qui le dites, je ne sais pas qui... c'est pour l'audience. Faut du cul, faut du cul. C'est une jeune maman. Parce que c'est Laurent et c'est mon c'est ami. C'est une jeune maman, Laurent. Une belle jeune maman. Vous l'aimez bien, elle chante bien. J'adore Nolwenn. Nicolas, vous connaissez Nolwenn ? Oui, je crois. Vous l'aimez bien, ça va ? Oui. Bon, oui. Toi ? J'écoute que ça. Bon, ben voilà, c'est une vraie réponse. Alors, Nolwenn, vous faites quoi cette année ? Je ne demande pas, moi. À chaque fois, il faut que je te demande ton avis. Ça serait bien, non, si tu fais un tour de table. Quand on fait un tour de table et qu'il n'est pas dans le tour de table. Ça m'énerve. Qu'est-ce que tu penses de Nolwenn Leroy ? J'aime pas du tout. J'aime pas l'artiste, j'aime pas la femme. Ouais. Et je trouve qu'elle sent de la bouche, enchaîne. Non, mais on se connaît depuis longtemps, c'est pour ça que je lui laisse mettre la main sur ma cuisse. Oui, faut quand même expliquer aux téléspectateurs, parce que sinon... J'adore Nolwenn. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais ici, la voix. Thierry, oui. Est-ce que vous allez vous entêter toute l'émission à appeler Isabelle Adjani Nolwenn Leroy? Alors, Nolwenn, vous fêtez cette année vos 15 ans de carrière, vos 15 ans de passage à la Star Academy. Ça veut dire que les autres candidats de votre promotion, ils fêtent leurs 15 ans de galère, d'une certaine façon. Non, ils galèrent pas tous. Non, au contraire, il y en a beaucoup qui sont... Qui, par exemple ? Eh bien, je vais vous le dire. Ouais. Eh bien, je vais vous le dire. Aurélie Conaté.
Ah oui, ah bah oui, oui. Aurélie Konaté, oui. Stade de France, elle a fait 8 jours. On l'a vu sur TF1, elle était dans Camping Paradis pendant des années. Et Emma aussi, Emma qui a enregistré son dernier album, qui est un super beau disque. Non mais c'est vrai, la Starac, c'est comme marcher sur la Lune. On se souvient du nom des premiers. Les autres, après, on les a tous oubliés. J'arrête avec la Starac parce que c'est dingue. Même si un jour, elle trouve le vaccin contre le cancer, on continuera à lui parler de la Starac, c'est pas vrai. Oui, mais à la fois, c'est quand même... C'est quelque chose... Enfin, je vais pas dire que je revendique, mais si, le fait d'avoir été choisi par le public et d'être une artiste populaire, c'est quelque chose qui, pour moi, a un sens et ça me pose aucun problème. Vous avez été... Tu vois qu'elle est pas conne. Même plus que le temps passe, c'est moi... Qui t'a dit qu'elle était quoi dans la loge tout à l'heure? Assume. Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu. Plus le temps passe et moi ça me pose des problèmes parce qu'il reste que... Tu m'as dit on va ramer avec la connasse, tu m'as dit. T'as vu comment elle parle bien. C'est pas vrai. Non, mais elle s'exprime bien, elle chante bien, elle est belle, elle est mère de famille. Alors. Alors, les gens vous aiment aussi sans doute. Les gens vous aiment. Laurent, arrête. C'est du cul. Ça marche pas. Les gens vous aiment, Nolwenn, sans doute aussi, pour votre engagement. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ma sœur. C'est ta sœur. C'est abominable. C'est ma sœur. C'est ma sœur. Non, mais... non, c'est ton frère. C'est un mixte. C'est de Brazil. Alors, les gens vous aiment aussi, Nolwenn, pour votre engagement dans les causes humanitaires. À l'âge de 13 ans, marqué par l'action de Daniel Balavoine, vous partez au Mali. Oui. C'est assez jeune quand même pour s'intéresser entre aux causes Gao humanitaires. Gao et Tombouctou, ouais, c'était un voyage humanitaire pour distribuer des fournitures scolaires dans des petits villages. Des gommes. Ils crèvent de faim, alors jetez des gommes. On allait échanger avec des enfants qui avaient mon âge à l'époque, et c'était un voyage effectif. Ça a commencé comme ça. Ma vie. Ouais. Ouais. Qui veut des feuilles à quatre? Ben, y a rien à bouffer. Ensuite, après le divorce de vos parents, vous avez été un peu dans la galère. Ouais. Et là, vous avez vécu quand même une angoisse terrible, la pauvreté aussi, qui vous a rapproché des gens pauvres. Et c'est comme ça que vous avez été en contact avec l'abbé Pierre. Suite à une rupture dans la vie, alors qu'elle soit sentimentale ou familiale, on peut se retrouver en galère. Et c'est ce qui s'est passé, moi, quand mon père est parti à ce moment-là, parce que c'était un moment qui n'était pas évident. C'est vrai que l'abbé Pierre, avant de mourir, vous a demandé de porter son béret, et ça, vous n'y arrivez pas? Non, j'adore porter le béret. Non, mais il m'a demandé à moi et à d'autres artistes de continuer à porter son message lorsqu'il partirait pour ses grandes vacances, comme il le disait. Et aujourd'hui, malheureusement, son message n'a jamais été autant d'actualité, parce que hiver comme été, il y a des gens dans la rue, et de plus en plus, parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et avec les situations aujourd'hui, ce qu'on vit aussi politiquement en France et socialement, ça, c'est de pire en pire. Oui, ça s'arrange pas, ça, oui. Voilà. Malheureusement, devrait être grande cause nationale. Vous êtes engagé, Nolwenn, dans... la fondation donc, de l'abbé Pierre, les Enfoirés, les Restos du Cœur, l'UNICEF, SOS Racisme, l'hôpital Necker, l'association Laurette Fugain, la fondation Maud Fontenoy, l'association de sauvegarde des patrimoines, des phares et des balises. Ça fait beaucoup quand même, non? Non, mais en fait, il y a certaines opérations où c'est ponctuel. Bien sûr qu'on a envie de pouvoir apporter son aide à toutes les causes. Et toutes les causes sont justes et sont... Quelle est l'association qui vous emmerde le plus, là, non? Une question. Non, mais sincèrement, je suis auprès de la Fondation Abbé Pierre depuis des années. Mais après, par exemple, pour l'association Laurette Fugain, c'est un combat qui est tellement, tellement important. Donc, c'est pas parce que. Et à la fois, qui n'a rien à voir avec celui de la Fondation Abbé Pierre. Et pareil pour l'écologie aussi. C'est le combat par-dessus tous les combats. Donc, y a rien ne rentre en conflit, en fait. Et toutes ces causes-là sont justes et on a envie d'apporter son aide. Alors, les Français vous ont adopté, mais en Bretagne, alors vous faites carrément partie du patrimoine, au même titre que les crêpes, le beurre salé, l'alcoolisme, les marées noires. Ici la voix. Oui. Thierry, je vous informe que votre émission était regardée en Bretagne. Ah, merde. Vous adorez la culture bretonne, hein? Bah, je suis bretonne, ouais. Je suis née mais vous avez décidé de vivre à Aix-en-Provence quand même. Bah, non, mais c'est je elle vis. Elle est pas conne, c'est bien la preuve. Je vis. Non, mais aujourd'hui c'est l'homme que j'aime est de Provence. Mais l'homme que j'aime est breton de cœur aussi, donc on passe beaucoup de temps en Bretagne. Ah, vous allez quand même en Bretagne, bah, oui, sinon toujours. J'aurais pas aimé s'il était pas breton. Ah oui, s'il n'aimait pas la Bretagne. Ah, oui. Ah bah c'est rédhibitoire. Alors la semaine dernière c'était Scheim avec Benoît Paire. Cette semaine c'est Nolwenn et Arnaud Clément. Vous avez pris une belle photo, là, dis donc.
Il est bien, ah, hein. Oui, il est oui, bien. Oui, dis donc. Ah, il est beau gosse, hein, il n'y a rien à dire. Ah, oui. Alors, c'est le père de votre premier enfant, donc Marin. Oh là, ah, c'est le père de Marin, votre premier enfant, né le 12 juillet 2017. Il fait ses nuits ? Pas il... l'enfant. Presque. Non, il l'autre, il ne doit pas faire ses nuits, je vais le dire. Bon. Arnaud, toujours pas, mais ah ouais, il ne fait pas ses nuits avec vous. Comment voulez-vous qu'il fasse ses nuits ? Alors, est-ce que vous endormez Marin sur des chansons de Jennifer ? Mais ça m'arrive. Est-ce que vous préférez, c'est très important, que votre fils devienne chanteur comme sa mère ou qu'il soit éliminé au premier tour de Roland-Garros comme son père ? Non, mais je crois qu'il suivra la voie qui est la sienne et je soutiendrai, ouais, quelle qu'elle soit, qu'il soit chanteur-tennisman, mais pas chanteur-tennisman. Pas comme Noah, quoi. Pas du tout. Tant mieux, c'est ce qu'on peut lui souhaiter de mieux. Ici la voix. Oui. Je vous signale, Thierry, que votre émission était regardée en Afrique. Alors, vous avez déclaré au sujet de l'album qui vous amène ici ce soir... Il ne serait pas le même sans Marin. Mm-hmm. Leurs destins sont liés. Je l'ai enregistré enceinte. S'il y a plus de lumière dans cet album, c'est grâce à lui. Alors c'est vrai que vous avez quand même une nature un peu sombre, hein, des fois. Un peu sombre, un peu pessimiste. C'est vrai que l'album n'a pas... Les thématiques de l'album, des chansons, n'ont pas du tout été influencées par ma grossesse. C'est pas du tout un album sur la maternité. Mais le fait de vivre cette période de ma vie en enregistrant l'album, effectivement, ça a peut-être changé ma vision des choses. Et ouais, j'avais envie d'avoir un peu plus d'espoir. Et l'angle des chansons, la manière d'aborder les chansons est un peu... Il y a une chanson qui s'appelle « En te donnant la vie, je te donne la mort. Tu fous la patate à tout le monde. » Mais t'es pas loin. Vous dédiez cet album à Marin. L'album, ouais, s'appelle J'aime, G-E-M-M-E, mmh, ouais, pas J'aime. Comme la pierre. Alors, on pense à Kate Bush, on pense aux Corses, à Florence and the Machine. C'est de plus en plus dans un trip anglo-saxon, quand même. Hein. La musique celte est à la base même de la musique, ouais, pop et anglo-saxonne. Donc, finalement, c'est un véritable sens par rapport aussi au son qui est le mien aujourd'hui. C'est un vrai album pop, mais au... Ouais. Aux accents celtes, et c'est vrai que je suis retournée là-bas, en Angleterre, écrire mes chansons. Il y a deux chansons en anglais qui sont des poèmes d'Edgar Allan Poe. Ouais. Vous aimez bien les artistes un peu dark, hein ? Ouais, j'aime bien. De Baudelaire à Tim Burton. Ah ouais, ouais. Hein ? Toujours. Non, mais c'est vrai que depuis toute l'imagerie qui accompagne aussi mes albums et mes, ouais, projets depuis, ouais, le début, ça, c'est un petit monde que j'aime beaucoup. C'est un peu gothique, quelque part. Ah oui, gothique... Gothique lumineux. On regarde à quoi ça ressemble. Sous nos crânes de cristal, des fantômes d'illusions nous cachaient le néant et le mal. Moi je veux chercher, moi je veux creuser. Voilà Nolwenn Leroy. L'album s'appelle J'aime, la chanson aussi. Ah, c'est une nouvelle musique que je mets dans l'émission à partir d'aujourd'hui. C'est extrait de quoi ? Un film ? Non. Un générique d'émission ? Non. C'est Electric Light Orchestra. Ah, c'est une chanson qui s'appelle... Oui, c'est une chanson qui s'appelle... ce groupe. Mister Blue Sky, qui est très connu. Et maintenant, Nolwenn, vous ne serez pas étonné que nous fassions une interview maman. Alors, imaginez que votre fils, Marin, vous pose des questions. Maman, comment on fait les bébés ? Je dirais, demande à mon pote Laurent. Il va, d'accord, t'expliquer. Maman, comment un avion, ça peut voler ? Comment un avion, ça peut voler ? Essayez avec le bateau qui peut flotter. Oui, le bateau qui peut flotter. Non, le bateau qui peut plus flotter, Bretagne, ça marche mieux. Mais oui, c'est ça, larguer. Ça m'inspire moins. Oui, c'est vrai que Marin... Merci, Laurent. C'est, comment ça flotte, le bateau ?
Mais c'est là, sa magie de. T'avais raison, elle est conne. Alors, j'en ai une plus simple. Maman, vous faisiez quoi hier soir, papa et toi, tout nus dans le lit? On s'aimait. Voilà. Ben voilà, ça c'est voilà. Bien. Voilà. Maman, c'est quoi la différence entre sado et maso? Tout à l'heure, c'est demande à Laurent, j'irai demande à Thierry. Ouais, d'accord. C'est fou cette réputation que j'ai. Alors, maman, pourquoi le monsieur, il est tout noir? Bah, il est plus beau que nous et c'est comme ça, faut vivre avec, voilà. Il est plus beau que nous. Il est plus beau que nous. Maman, pourquoi les filles, elles n'ont pas zizi? Pourquoi les filles, elles n'ont pas zizi? Alors là, vu, là, ouais, non mais justement, ce que j'ai vu tout à l'heure, ça démontre le contraire. Cadreurs, donc, les cadreurs, ils se marrent. C'est ça que j'aime. Elles n'ont pas zizi. Oh. Est-ce qu'on peut me pixeliser, Laurent Baffi, s'il vous plaît, et déformer sa voix? Maman, pourquoi le monsieur là, il n'a pas de cheveux? Ici la voix. Non Thierry, on avait dit pas le physique. C'est déjà assez pathétique comme ça. Merci la voix. Marin, on a beaucoup de cheveux, alors il pourra enfiler. Ouais, Marin, bon, on peut faire un plan, ouais. Maman, c'est quand aujourd'hui? C'est quand aujourd'hui? Et les chiants le môme, hein? Ah, ouais, non, c'est quand aujourd'hui? Ouais, chiant. je me demande si c'est pas le fils de Benoît Père, en fait. Non, c'est quand aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite, parce que ouais. Moi, je suis quelqu'un qui vit, je suis nostalgique de l'instant présent. Mais donc oui, maintenant, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On verra. Je voudrais témoigner, j'étais drôle dans les années 90. Maman, pourquoi le monsieur à la télé, il s'habille toujours en noir? Parce qu'il a beaucoup de goût et que le noir, c'est plus chic. Oh, elle est gentille, formidable. Et maintenant, on passe à notre invité politique de la semaine. Nicolas Dupont-Aignan, rebonsoir. Bonsoir. Voici donc l'homme qui a failli être le premier ministre de celle qui a failli être présidente, Nicolas Dupont-Aignan. Alors, on va raconter l'histoire et on va voir où vous en êtes, Nicolas, aujourd'hui. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Non, Didier, plutôt... Voilà. Alors, au départ, tout va bien. On regarde. Debout la République, nous ne voulons pas dresser les Français contre d'autres Français. Et nous ne faisons aucune différence d'origine, de race. Nous considérons que la collectivité nationale est totale et entière. Donc, c'est un point fondamental. C'est une ligne jaune que je n'accepterai jamais de dépasser. Marine Le Pen a changé la vitrine du Front National. Et on ne peut que s'en réjouir. En revanche, l'arrière-boutique est souvent ou parfois glauque. Parce que ce parti anti-système, le Front National, est différent de moi. Je suis gaulliste, je n'ai pas du tout la même histoire Florian politique. Florian Philippot se réclame aussi du gaullisme. Oh bah oui, bah, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Parce que je suis différent. Qu'est-ce que vous reprochez au Front National? Oh, c'est très simple. La rupture que je propose est une rupture dans le calme, avec un programme économique beaucoup plus sérieux. Deuxième point, ma différence, elle est très simple. Je suis différent, personnellement, mes équipes. Nous n'avons honte de personne chez nous. Je suis élu local, j'ai été réélu à 80% des voix dans une commune de banlieue depuis 3 mandats. Ça veut dire que j'ai fait mes preuves. Ça, c'était avant, donc, à l'époque où vous n'aimiez pas tellement le Front National, vous disiez ni extrême, ni système. Vous disiez leur programme n'est pas sérieux, ils n'ont pas les bonnes solutions. Chez nous, il n'y a pas d'arrière-boutique d'extrême droite, bref. Le FN, à l'époque, perdait son temps, disiez-vous, à vous draguer. C'est l'époque aussi où vous disiez, ça fait 20 ans que j'attends le grand soir. Et là... Vous
Là, vous soutenez Marine Le Pen au deuxième tour, qui vous propose de devenir son premier ministre. Vous êtes l'homme, le premier homme politique d'un parti traditionnel à avoir franchi la ligne jaune. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais tout simplement quelque chose d'évident. Il y avait un second tour. Quand François Fillon, 10 minutes après 20h, soutient Emmanuel Macron, personne ne dit que François Fillon est Emmanuel Macron. Il y a un deuxième tour. Vous savez, moi, je ne me suis pas dérobé. Il y avait un choix à faire. Je n'ai jamais renié ce que j'étais. Simplement, j'ai dit, voilà, je ne serai pas Ponce Pilate. Je ne vais pas avoir été candidat à la présidentielle. J'ai défendu un projet, j'ai eu près de 2 millions d'électeurs. C'est déjà pas mal. C'est pas assez, mais c'est pas mal. Et je vais dire à ces 2 millions d'électeurs, ah ben, je ne sais pas. Allez, je m'en lave les mains. Débrouillez-vous. Ça voudrait dire que les Français, allez, ils n'allaient pas voter. Il n'y avait plus de démocratie. J'ai fait un choix en conscience. J'ai jamais dit que je renonçais à ce que j'étais. Et ce qu'on a caché dans cette semaine absolument délirante, parce que moi j'ai mis 5 jours avant de faire ce choix, et on a réfléchi. Et j'ai négocié, oui. 30 deniers. J'ai négocié rien. J'ai négocié rien en termes d'argent. J'ai obtenu un certain nombre d'infléchissements mais fondamentaux du programme de Marine Le Pen fondamentaux sur l'euro, en disant que la sortie de l'euro n'était plus un préalable. Les enfants de clandestins. Accueillis à l'école publique, oui. Plus de taxes sur les importations. Loi sur la moralisation de la vie politique. Oui, j'ai tenté, en fait, tout simplement. J'ai tenté, ça a été un choix difficile d'ailleurs, mais j'ai tenté de briser ce piège de Mitterrand qui fait que depuis 20 ans, des gens minoritaires dans le pays ont le pouvoir parce que des millions de Français sont ostracisés, caricaturés, traités de nazis, alors que les 6 millions d'électeurs de Marine Le Pen sont des Français qui souffrent. Et j'ai voulu, oui, leur tendre la main. J'aurais pas fait la même alliance avec Jean-Marie Le Pen, tout le monde le sait. Et tout le monde sait qui je suis. Bien, on continue avec vous après la pub. Voilà, c'était la peur de SFP. On se retrouve après la pub. À tous. Rebonsoir les terriens du samedi. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Michel Fugain, de Nicolas Dupont-Aignan, de Nolwenn Leroy, de Val et de Laurent Baffi. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, vous regrettez d'avoir appelé à voter Marine Le Pen ? Pas du tout. Je vais vous dire, le seul truc que je regrette, c'est qu'on n'ait pas été entre les deux tours en démocratie. Qu'on ait eu une propagande incroyable. Il y avait le choix Macron ou Macron. Que 10 millions d'électeurs soient rayés de la carte. Vous avez parlé de Radour-sur-Glane, par exemple. Mais c'était ahurissant. Ce que je voulais dire, c'est que... C'est tout. Vous avez pensé à ce moment-là qu'il valait mieux une Marine Le Pen qui dévie un peu de son programme qu'appeler à voter pour Emmanuel Macron. C'est très clair. Et je suis convaincu qu'au fil du temps, les Français me donneront raison. D'ailleurs, je remarque qu'il y a quand même eu 10 500 000 personnes. Elle avait fait 6 millions, j'avais fait 2 millions. Il y en a eu 10 millions 5 qui ont voté. Donc, je remarque quand même que ces 10 500 000 Français, ils ne sont pas achetés. Évidemment, les réseaux sociaux se sont déchaînés. Donc, on voit Bernard Pivot. J'ai écrit Dupont-Aignan avec un D comme damné, alors que j'aurais dû écrire Dupont avec un T comme ténèbres. Il y a eu pire. Il y a eu pire. Il y a eu Philippe Lelouch. Il y a des condamnations qui ressemblent à des hommages. Oui, Dupont-Aignan est un trou du cul et une pompe à merde, ça c'est Philippe Lelouch. Mathieu Kassovitz, toujours trou du cul, voilà. La réprobation a été générale et vous avez de la chance qu'on vous rase pas la tête. Mais non, mais la réprobation du petit milieu. Parce qu'en fait, ça gênait qu'un type modéré, je suis sérieux, j'ai toujours été irréprochable, sur le plan, en tout cas, des esprits de la République, et ça gênait ce petit milieu qui était ravi de mettre de côté le peuple, des millions d'électeurs, comme ça s'était passé avec les communistes. Ah, c'est formidable. Des millions d'électeurs qui votent pour un parti qui ne gagne jamais. Eh bien, moi, je veux amener à la victoire des gens qui pensent autrement. Et je pense, et j'ai pensé, qu'il fallait faire ce geste. Après, je regrette aussi que Marine, pendant le débat du second tour, n'ait pas assumé ce choix qu'elle avait fait avec moi et qu'elle ait voulu repartir comme si elle n'assumait pas cette alliance.
Nicolas Dupont-Aignan. Il n'y a pas un moment où vous avez dit j'ai fait une connerie. Non, jamais. En revanche, j'ai regretté la manière dont on l'a peut-être géré. Je me suis posé des questions parce que c'était un geste fort. Mais je suis convaincu qu'à terme, il faudra rassembler tous ces électeurs hors des extrémistes, parce que ce n'est pas supportable pour moi, mais je suis convaincu que 95% des Français qui ont voté, 99%, aspirent à une autre France. Et que plus ils vont souffrir avec Macron, plus ils vont comprendre ce que j'ai voulu faire. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, cette semaine, vous avez déjeuné avec Marine Le Pen. Vous lui avez dit que c'est une erreur monumentale de virer Florian Philippot. Vous lui avez dit que c'est sa plus grosse erreur depuis le débat. Il est J'ai dit à Marine Le Pen, il n'y a pas de secret, les événements se sont produits. Je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, moi, après le débat, j'ai rien dit. Rien. Parce qu'encore une fois, je veux réunir. J'ai pas fait ce geste pour diviser, pour jeter de l'huile sur le feu. Mais je pense que dans la vie, il faut additionner les talents. Je pense qu'il faut reconstruire la France sur un patriotisme humaniste. C'est ça la réalité. Est-ce que vous allez faire un ticket avec Philippot ? Mais je ne sais pas ce qu'on va faire. En tout cas, moi, l'objectif, c'est pas... Comment dire ? C'est pas la question des petits chevaux. Dupont-Aignan, Philippot, Wauquiez, Le Pen. C'est la question. Je veux lancer un programme commun, parce que les électeurs, je croise, qui votent Républicains, qui votent Debout la France, qui votent FN, la quasi-totalité, ils sont d'accord sur un programme commun. Aujourd'hui, c'est très simple. Vous dites, si la droite veut revenir au pouvoir, elle doit adopter la stratégie de François Mitterrand, qui s'est allié avec les communistes. Et c'est vrai qu'à l'époque, le Parti communiste était encore un parti très important en France. L'URSS existait encore. Le Parti communiste était financé par Moscou. Tout le monde le sait. Et il y a eu quand même, en 1981, 4 ministres communistes au gouvernement. Donc vous dites, vous, aujourd'hui, c'est pareil. Si la droite veut revenir au pouvoir, elle doit s'allier avec le Front National. Vous voulez être, en fait, la clé de voûte d'une droite, donc recomposée, avec d'un côté Marine Le Pen et de l'autre côté Laurent Wauquiez. Au-delà et puis les Pécresse et les autres, mais non, vous les laissez aller chez Macron. On mais est bien ils d'accord. Ils vont chez Macron. Ils sont d'accord avec ce libéralisme ultralibéraliste destructeur. En fait, Macron a fait quelque chose. Il faut regarder les choses en face. Macron a réunifié des gouvernements qui faisaient la même politique à tour de rôle, soumis à Bruxelles, c'est leur choix, mondialistes, financiers. Il a pris la gauche du fric, la droite du fric, ils travaillent ensemble, c'est tout. Sur le plan marketing, il est certain qu'aujourd'hui, si la droite veut revenir au pouvoir, ça ne va pas être juste Wauquiez, parce qu'il ne représente pas 51% des électeurs, c'est clair. Je ne veux pas laisser la France à une espèce de duel Macron-Mélenchon. Macron étant très habile et voulant faire avec Mélenchon ce qu'il a fait avec Le Pen. C'est-à-dire un système qui se maintient au pouvoir éternellement parce qu'il fait peur avec des programmes qui ne sont pas assez élaborés. Et j'ai voulu, par ce geste avec Marine Le Pen, donner une sorte de quille au bateau. Moi, ce qui m'a choqué dans la manière dont j'ai été traité, c'est pas qu'on soit en désaccord avec moi, c'est normal. C'est qu'on me traite comme un chien, au point de s'attaquer à la mémoire de ma mère qui était morte dans l'entre-deux-tours, c'était horrible. Il est plus là ? Oui, bah heureusement, parce que je lui bute la gueule, si je le vois. Oui, parce qu'on n'a pas le droit. Il y a des limites à l'indécence. On est en démocratie, on peut être en désaccord avec moi. J'accepte tout. Mais on doit respecter les êtres humains, sinon il n'y a plus de démocratie. Et là, vous aurez un jour des mouvements totalitaires dangereux. Et ça se finira dans la rue, si on n'entend pas les gens. C'est tout ce que je demande. Donc vous lancez, Nicolas Dupont-Aignan, une consultation nationale qui s'appelle Les Amoureux de la France. Donc c'est très Macron, quand même. Hein. Oui, mais... Je ressens, j'ai été élu 22 ans dans ma ville, j'ai parcouru la France dans tous les sens, je ressens ce besoin de sincérité de nos concitoyens. Je pense que le milieu médiatico-politique, pardonnez-moi, est complètement à l'ouest, que le pays est mal barré, et je pense qu'il y a des solutions. Alors, Patrick Buisson, ouais. Vous donne un peu des idées, des conseils. Je l'ai vu deux, trois fois, mais moi, je vais vous dire, je ne suis pas assez riche pour me payer des conseillers de com. Et maintenant, nous passons, Nicolas Dupont-Aignan, à la question sous serment. Jurez-vous que vous croyez sincèrement
être gaulliste en vous alliant aux pires ennemis du général de Gaulle ? J'ai fait un choix de second tour en fonction de convictions sur l'indépendance du pays. Et le général de Gaulle était avant tout un indépendantiste. Il n'y a pas de démocratie sans indépendance, il n'y a pas de conscience humaniste sans indépendance. On rallume. Et maintenant, on passe à la battle des idées. You shot me down, bang, bang. Et c'est Maurice Safran, éditorialiste à Challenge, que nous accueillerons sur ce plateau après le magnéto. Battle de ce soir, médiaphobie, pourquoi tant de haine ? Début septembre, Nicolas Dupont-Aignan a carrément appelé la police pour expulser une équipe de France 2 venue le filmer dans sa commune. Je ne me rendais d'ailleurs pas compte que c'était unique. Cela dit, ce n'est pas le seul politique qui rejette les journalistes. Lors de la présidentielle, le FN a interdit l'accès de ses meetings à de nombreux médias. Pareil pour Mélenchon. En juin, il a dégagé un journaliste de France Info venu le filmer en meeting. Et le mois dernier, les Insoumis ont organisé une conférence intitulée « Faut-il dégager les médias ?» La dénonciation du système médiatique. Forcément, vu que plus de 7 Français sur 10 ne font pas vraiment confiance aux journalistes, prendre la presse pour cible, ça va dans le sens de l'opinion. Résultat, tout le monde s'y est mis. Chez les Républicains, c'est Jean-Pierre Raffarin qui, en février dernier, faisait siffler les journalistes lors d'un meeting de Fillon. À l'époque, Macron avait condamné cette attitude. Sauf que cette semaine à l'ONU, lui aussi a paru agacé. Quand je vois le temps passé depuis 4 mois à ne commenter que mes silences ou mes dires, je me dis que ça devient un système totalement narcissique. Faut dire que les journalistes passent leur temps à critiquer les politiques alors qu'ils ont les mêmes défauts. Eux aussi cumulent les mandats, comme Yves Calvi et Patrick Cohen qui sont à la radio le matin et à la télé l'après-midi. Eux aussi s'accrochent à leur poste, comme Alain Duhamel, 77 ans, toujours sur RTL, ou El Kabach qui a 79 ans, animait encore le débat de la primaire à droite. Pourtant, pendant des années, les politiques n'ont pas osé critiquer les journalistes car ils redoutaient leur influence sur l'opinion. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément un handicap d'avoir les médias contre soi. Que vous vous prenez pour des juges, vous êtes juste un journaliste, monsieur. Rappelez-vous-le. Trump n'était soutenu que par 6 journaux contre 274 pour Hillary Clinton. Et pourtant, c'est lui qui a été élu président des États-Unis. Voilà, c'était l'édition de Blacko, mise en image de Julien Grapp. Bravo Blacko, bravo Julien. Maurice Safran, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste à Challenge. Bienvenue parmi nous. Alors voilà, on vit dans un climat de défiance. Selon le baromètre Sciences Po, les Français font confiance en premier aux hôpitaux. Ils ont bien raison, à 82%. Derrière, il y a l'armée, à 81%. Et à la fin, arrivent les médias, 24%. Et les hommes politiques, 12%. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, pour vous, c'est 24% aussi, quoi. Vous ne faites pas confiance aux médias ? Non, le problème, ce n'est pas de faire confiance ou pas. La question, c'est que les médias, aujourd'hui, vivent sur une autre planète que les Français. C'est tout. Et cette coupure n'est plus supportée parce que le miroir qui est renvoyé par les médias ne correspond pas à la vie réelle. Et en plus, les médias font de la propagande permanente et défendent leur vision de la France. On ne leur demande pas d'être d'accord avec nous, ça, j'en ai rien à faire. On leur demande d'écouter peut-être le pays dans lequel ils vivent et de ne pas être séparés des Français, de ne pas les juger en permanence. C'est une caste qui est un petit peu comme ça, hors sol, quoi. C'est une caste hors sol qui veut faire la démocratie. On a assisté, on l'a vu à la présidentielle, à une immense manipulation. La plupart des directeurs de journaux étaient pour Macron, par exemple. C'était 70 couvertures de News Magazine pour Macron. Et les autres. Après avoir été pour Fillon, il y a un truc que j'adore. Oui, mais parce qu'ils vont c'est l'échange de tweets entre vous et Serge Dassault. Oui. Quand Serge Dassault vous dit « on ne parlera plus de toi dans le Figaro tant que tu ne défendras pas Fillon ». C'est le cas. J'ai révélé ces tweets de menaces, d'intimidation. On a voulu me faire renoncer à mes convictions. On a fait de la ils ont fait de la censure dans le Figaro. J'ai rejeté cette censure. Il m'a même écrit cette phrase incroyable. Tu préfères manger du pain rassis qu'une bonne soupe. Ouais. C'est écrit. D'ailleurs, depuis, j'ai plus un article dans le Figaro, comme j'ai plus dans le JDD, comme j'ai plus ailleurs. Les challenges, ils vous font des articles ou pas ? Mais ils veulent décider à la place des gens. Ouais.
ils ne jouent plus leur rôle. Donc il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, il y ait de la haine. Mais ce n'est pas sain, parce qu'on a besoin d'une presse libre. Non. On a besoin d'une presse indépendante, c'est tout. Ici la voix. Oui. Je vous signale que Maurice Safran est arrivé. Les Français... Maurice Safran. Les Français ne sont pas d'accord. 24%. Eux, 12%. Ouais, pour l'instant, Dupont-Aignan, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Parce que les hommes politiques sont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus décriés que les journalistes. Mais c'est ça le problème, mais je m'en réjouis pas. D'accord, alors précisons. D'accord. Mais je défends pas les hommes politiques. Mais, non mais Maurice, c'est vrai, par exemple, pour Mélenchon, la médiaphobie est devenue une stratégie politique. Il dénigre les journalistes toute la journée. Il veut créer son propre média, il veut une chaîne de télé à lui. Mais on est dans un changement fondamental. Aujourd'hui, on a une situation particulière. Les deux principaux responsables politiques du pays, le président de la République et le principal leader de l'opposition, Jean-Luc Mélenchon, ont une cible, c'est la presse. Ouais. Et plus particulièrement, les journalistes politiques. Ouais. Ce qui est en cause, là, c'est les journalistes politiques. Ouais. Et effectivement, il y a des citations tous les jours. Hier matin sur RTL, Jean-Luc Mélenchon a dit, je cite, c'est formidable, « Vous êtes mesquins, on vous déteste ouais. ». Hier matin encore. Le problème, c'est que dans le fond, dans cette histoire, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, qui sont deux phénomènes relativement nouveaux dans la vie politique française. Les vrais défenseurs du vieux système, comme dit le président de la République, plus que les hommes politiques eux-mêmes, ça a été un certain nombre de journalistes politiques qui se sont accrochés comme des moules sur un rocher au vieux système politique, qui n'ont pas accès. Il faut... La presse politique, elle a mis des semaines et des mois avant de comprendre ce qui se passait avec Emmanuel Macron. Pendant des semaines et des semaines... Mais après, elle l'a bien soutenu quand même. Hein. On peut discuter de ça, mais pendant des semaines et des semaines... C'était une bulle. Il y a une vraie difficulté chez nous quand il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Et Emmanuel Macron, mais ça a été un phénomène très nouveau. Le comprendre, ça a été extrêmement compliqué. C'est ça, pas c'est vrai. Seulement des choses nouvelles. On a le sentiment que dès qu'on est un peu différent, on n'est pas accepté. Un chiffre incroyable que j'ai eu là, l'élection présidentielle, le temps de parole. J'ai eu 2 jours, si on cumule tout depuis le début, 2 jours de temps de parole, ce qui est énorme. Benoît Hamon, 11 jours. Il a fait quasiment le même score que moi. 6%, j'ai fait 5. 11 jours de temps de parole, 2 jours sur un an. Et quand on dit ça, on nous dit non, vous ne comprenez pas. Nicolas Dupont-Aignan, pour vous, la médiaphobie n'est pas inutile. Ça vous permet d'exister, effectivement. Vous partez du plateau de TF1, ce qui était un coup. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un coup énorme. Ensuite, vous virez donc l'équipe de France 2. Là, il y a autre chose. J'ai pas viré l'équipe de France 2 parce qu'elle était dans ma ville. Tout le monde est libre d'interviewer qui veut. Je l'ai viré au bout d'un moment parce qu'ils sont rentrés dans un forum où les gens inscrivaient au volet, au tennis, machin et tout. Et à la fin, les gens en ont eu marre parce qu'il y avait une perche. Pendant 1h30, j'ai eu une perche au-dessus de la tête avec les gens qui s'inscrivaient, leurs filles, leurs machins, et les gens de ma ville ont râlé. Et le type faisait l'équipe de Quotidien que vous avez viré, l'émission de Yann Barthès. Je les ai toujours acceptés partout. Sauf qu'il y a un moment, comme c'était permanent la propagande, toute la présidentielle, j'étais le diable, le salaud et tout. Et j'ai toujours dit au Quotidien et à Barthès, vous pouvez vous moquer de moi autant que vous voulez. Vous pouvez créer un personnage imaginaire. C'est ça qu'ils font. Mais au moins invitez-moi une fois. Moi, libre à la presse de tout dire, mais qu'au moins, ils aient le droit de voir le vrai. C'est tout ce que je demande. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de parler d'un truc excessivement ringard, c'est-à-dire le jacobinisme qui fait que tout est centralisé dans cette ville, avec tous les médias, la sphère médiatique, avec tous les sièges sociaux, avec les décisions politiques, tout tourne là. Et comment on peut encore imaginer, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, vous regardez les pays ailleurs, il y a toujours deux pôles d'émission. On n'en a qu'un. Mais parce qu'on est dans un pays jacobin. Mais parce que, Dupont-Aignan trouve ça formidable. Mais on est dans un pays jacobin où tout se passe à Paris, où les décisions politiques sont à Paris, où l'ensemble des journaux, chez les Italiens, il y a des journaux dans toutes les grandes villes, chez les Espagnols. Ici, tout est à Paris. Est-ce que vous avez pas centré à Paris? La remarque de Maurice Safran est géniale. Mais Dupont-Aignan trouve ça formidable. Alors, vous êtes jacobin? Je suis jacobin. C'est pas une critique. Mais vous êtes jacobin? Alors, qu'est-ce que vous avez toujours été jacobin? Pourquoi êtes-vous jacobin? Non, mais c'est extravagant. Mais c'est pas une critique. Maurice Safran. Mais non, parce que vous inventez ce que je suis. Ah, d'accord. Non, mais vous n'avez pas lu ce que je défends. Je défends l'unité du pays. Mais il est peut-être temps de sortir du jacobinisme, merde. Mais je pense que le centralisme absolu est tout concentré, même dans les métropoles régionales et un territoire qui est en train de crever,
est un des problèmes majeurs. Non, mais Nicolas Dupont-Aignan... Donc on a quand même le droit de penser autrement. On est dans un système quand même très compliqué. Quand on critique les positions politiques de Nicolas Dupont-Aignan, quand on effectivement, normal, la presse a été très sévère... Laissez-moi terminer. La presse a été très sévère. L'ensemble de la presse a été très sévère avec son attitude vis-à-vis de Marine Le Pen. Là... Et ce qu'il nous explique derrière, c'est qu'on transforme son personnage. Non, il a pris une décision politique extrêmement lourde. Il a pris une position politique extrêmement lourde. C'est le droit des journaux aussi de contester sa position. Pointe à la ligne. Quand Macron dit les journalistes s'intéressent trop à eux-mêmes et pas assez au pays, vous êtes d'accord avec ça? Non, je trouve que c'est trop généralisé. Mais effectivement, il les trouve narcissiques. Effectivement. On a l'impression, quand on écoute les radios, qu'on regarde les télés, qu'on écoute les débats, que le principal problème du pays depuis le mois de mai, c'est la communication du président de la République. Oui. C'est-à-dire, c'est infernal. C'est ce qu'il dit, Macron. Mais... Il dit tout le monde s'intéresse à mes silences. Enfin, il a tout scénarisé. Et il passe sa vie à se déguiser dans tous les corps de métier. Mais ça crée une situation compliquée. C'est pour faire de la com'. Quand il prononce le discours d'Athènes, qui est un discours, Nicolas Dupont-Aignan le reconnaîtra, un discours... Très bien écrit. ...fondamental, qui montre deux visions de l'Europe, deux visions de la France, deux visions du monde, etc. Et qu'on ne parle que des fainéants qu'il a... Alors, c'est de sa faute. Bien, c'est aussi de sa faute. Parce qu'il a dit les fainéants après. Mais il n'y a quasiment rien eu sur le discours d'Athènes, ce qui pose un problème. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Mais ça, c'est les journalistes politiques, ça fait le miel. C'est le système. C'est le miel de Rüttel-Kriegs. C'est le système médiatique. C'est pas facile. C'est une société, on les a vus, les hebdomadaires, les gros hebdos qui étaient des hebdos intelligents. On les a vus, il y a un moment, ils ont mis des pages people. C'est pourquoi ils les ont mis des pages people? C'est pour attirer des gens. Parce qu'ils vendaient plus. Parce qu'ils vendaient moins. Alors, pourquoi ils vendent moins? C'est peut-être aussi parce qu'ils n'ouvrent pas assez. Maurice? Posons les problèmes jusqu'au bout. La crise terrible d'avant-hier entre RTL et Jean-Luc Mélenchon, parce que ça a été extrêmement violent à l'antenne et extrêmement violent hors antenne. Pourquoi? Parce que la journaliste lui pose la question, et est-ce que c'est légitime ou pas, j'aimerais d'avoir votre avis, la journaliste lui pose la question, vous êtes revenu de la Réunion en classe business, et deux députées femmes de la France Insoumise qui vous accompagnaient, elles, étaient en écho. Ça, cette question, est-ce qu'elle est légitime? Cette question a rendu Jean-Luc Mélenchon hystérique. Je suis désolé, mais hystérique, elle vraiment. Est légitime. Alors voilà, c'est un vrai débat. Michel, excusez-moi, je trouve ça d'une connerie lamentable. Comme Mélenchon, vous êtes sur la position de Mélenchon. C'est une connerie lamentable, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il voyage encore en économie? C'est, il apporte quoi, il change quoi, il transforme quoi? Il nous a parlé d'une 6ème République, il nous a parlé... Donc Michel Fugain est sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon concernant cette question. Son père aussi. Le vrai problème, Thierry Ardisson, le vrai problème, ils sont légitimes à poser cette question à Mélenchon, mais ils ne l'auraient jamais posée à leurs copains. Proche, c'est ça. Moi, je veux bien qu'on pose toutes les questions. Dans la situation actuelle, je veux bien qu'on pose toutes les questions, mais qu'il les pose à tout le monde. Michel, quand Match fait des premières, des unes avec Macron, c'est que ça vend merde. Il n'y a pas d'autres. Mais enfin, comme par hasard, ils ont fait que les unes avec Macron. Il y a la presse People. Il est incontestable qu'elle a fait ses meilleurs chiffres cette année sur le phénomène Macron. C'est comme ça, que ça plaise ou pas. Et Brigitte, il y a eu un énorme phénomène. Brigitte, qui est l'attaché de presse d'Emmanuel Macron? C'est la fameuse Michel, j'ai oublié son nom de famille. Mimi Marchand. Oui, mais si Match fait cette année 6-1 sur les Macron, c'est que c'est quasiment cette année leurs 6 meilleurs chiffres de vente. Donc, il a quand même été bien fabriqué, parce que derrière les principaux journaux, il y a des propriétaires. Non, mais c'est pas il y a, vrai. Ah. Si. Non, si, c'est pas vrai. Si, qui détient les journaux en France? C'est les Français d'armes. Qui ont fabriqué Macron. Marchands d'armes. Mais non. Qui dépendent des commandes publiques. Mais non. Et vous croyez que Figaro vision, est tout miel? C'est une vision tout miel complotiste. Pour Macron, parce qu'il ne va pas vendre des C'est la rafales. Vision complotiste de l'histoire. Non. Vous avez défendu en partie cette ligne pendant la campagne présidentielle. Vous le savez très bien. L'homme des banques, l'homme des banquiers, l'homme de Rothschild, etc. C'était une campagne tout à fait limite de mon côté. Et renvoie l'ascenseur. Mais c'est un autre débat. C'est une campagne tout à fait limite. Mais c'est la construction fantasmagorique. Vous faites preuve d'une fausse naïveté. Je suis pas naïf quand du on tout. Sait que les principaux médias de France appartiennent à 6-7 personnalités, et comme par hasard,
Ces 6-7 personnalités ont soutenu à fond le président de la République qui renvoie l'ascenseur. C'est la réalité. Tous les Français l'ont compris. C'est et c'est la crédibilité c'est de la presse qui est en jeu. C'est une vision complotiste. C'est fini. Oh Emmanuel, ne faites pas de la peine à Emmanuel. Maurice Safran, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve dans Challenge, on vous retrouve souvent sur BFM. Voilà, c'était la paix de l'ESLC. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Bonsoir les terriens du samedi. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Michel Fugain, de Nicolas Dupont-Aignan, de Nolwenn Leroy, de Walt et de Laurent Baffy. Laurent. Et on passe maintenant à notre TTU de la semaine. Michel Fugain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité TTU, mais vous êtes aussi notre invité. Ça fait plaisir de te revoir. Merci Thierry. Merci. On ne s'est pas vu depuis 16 ans. Oh la vache. Ça fait une paye. Alors avant de commencer, est-ce qu'il y a des sujets que vous ne voulez pas qu'on aborde? Qu'on commence par ça? Mais non Thierry, vous pouvez prendre tous les sujets que vous voulez. Eh bien très bien Monsieur Fugain. Alors Michel, vous avez 75 ans. Il y a une double page sur lui, il a un big bazar. Hein. Et... Alors Michel, vous avez 75 ans, est-ce que c'est faire comme l'oiseau qui maintient en forme? C'est pas ça, parce que l'oiseau il perd des plumes, ah oui. Il perd des plumes au passage, mais c'est une sinusoïde un peu particulière, mais j'ai adoré ça. Alors notre époque est quand même dingue, parce qu'à 75 ans, on peut se faire la coupe d'Eminem sans aucun problème. Quoi. Hein, on regarde. Vous vous dites quoi en voyant ces deux photos, sérieusement? Il y a 40 ans... Ouais. On voit 40... son fils. Ouais. Son fils lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ah oui, c'est la même chose. Le même. Et maintenant, mesdames, messieurs, attention, ça va commencer. Musique. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Et comme l'oiseau, sa vie d'air pure et l'eau fraîche, un oiseau. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez notre fauteuil. La rue, c'est la vie qui va.
Benoît, Michel, Julien. Ici la voix. J'ai la réponse au blind test. Je pense qu'il s'agit de Michel Fugain. Oui. Si j'en connaissais aucune. Je ne sais jamais où me mettre, moi, quand on fait un truc comme c'est ça. C'est extraordinaire, pas, hein. Mais c'est génial. Qui peut aligner ça, quoi? C'est que des chansons qui nous ont rendus heureux, qui nous rendent encore heureux aujourd'hui. Bravo. Je me demande si les chansons n'étaient pas mieux sous Giscard, personnellement. Alors, il y a une reprise d'un de vos tubes que j'adore. C'est encore Emmanuel Macron, qui, après avoir fait jouer Daft Punk par la musique de la garde républicaine lors du 14 juillet, a fait jouer une chanson de vous, C'est la fête. Ouais. Est-ce que vous étiez au courant? Absolument pas, non, non, non. C'est génial, pas, alors, c'est la consécration. Trump faisait la gueule, il n'a pas du tout aimé la Corée. Oui, il n'aime pas la Corée du Nord, oui. Mais j'étais au petit-déj, j'étais en train de prendre mon petit-déj, j'entends ça. Je me retourne, mais ma bonne femme, elle était en train de pleurer. On peut dire ce qu'on veut d'Emmanuel Macron, mais faire jouer Daft Punk et Michel Fugain le jour du 14 juillet. On peut dire ce qu'on veut de Trump, mais quel con, quand même. Ça, oui, c'est sûr. Alors, vous êtes ici pour la causerie musicale. Alors, c'est au Théâtre de l'Atelier, le lundi 27 novembre. Alors, c'est un spectacle qui mêle chanson, anecdote, conversation, réflexion plus profonde. Vous dites, mille fois j'ai entendu, vous faites d'abord la musique ou les paroles? Qu'est-ce qui vous a inspiré cette chanson? Comment ça vous vient et tout? Et là, vous avez décidé de répondre, en fait. Oui, j'ai jamais fait ça et j'invente là. Ouais. C'est-à-dire passer une soirée privilégiée avec des gens qui sont là. Je dis, c'est une sorte de masterclass de luxe, quoi. C'est-à-dire, on raconte comment les chansons sont venues, comment elles viennent. Partant du principe que toutes les chansons populaires, donc je crois très sincèrement que la chanson populaire est en danger de mort actuellement. Donc c'est le moment où on peut en parler. Non, mais c'est bien de savoir, moi je suis d'accord avec ça, c'est bien de savoir comment les gens, les idées des chansons, qui a écrit quoi, qui a... est-ce que c'est Lennon, est-ce que c'est McCartney, voilà. D'autant que les chansons populaires sont des marqueurs toujours très précis d'une époque dans une société. J'aimerais simplement que les gens sortent de ça en disant « je n'écouterai plus jamais les chansons de la même manière ». Et vous êtes en tournée à partir de quoi? De janvier après? Ouais. Et en tournée, vous chantez vos tubes, quoi? Eh ben, ça prend déjà de la place. Ah ouais. Ce qui veut dire qu'à 75 ans, vous continuez à faire de la musique sur scène très régulièrement. Tout le temps. C'est rassurant pour moi. J'ai pas arrêté. Quand on n'est pas dans la sphère médiatique dont on parlait tout à l'heure, les gens ont l'impression que vous êtes mort. Non, les gars, je suis pas mort. Et tout va bien. Car il bande encore. Bon, alors, la deuxième raison de votre présence ici ce soir, c'est le disque hommage qui a été fait donc pour fêter vos 50 ans de carrière. Les artistes de la nouvelle génération se sont retrouvés sur un album intitulé « Chante la vie chante » qui est sorti le 12 mai 2017 pour votre anniversaire. Il y a Corneille, il y a Patrick Fiori, il y a Chimène Badi, il y a Ben, l'oncle Saul, il y a Kids United. Enfin, que des gens qui n'auront pas 50 ans de carrière. Non. Non, et d'ailleurs, je suis absolument pour rien dans cet album. Oui, vous l'en fait écouter avant ou pas? Non, il y a des trucs auxquels j'ai participé, donc je savais comment c'était fait. Et, par exemple, ils ne savaient pas faire le début d'Attention, Mesdames et Messieurs. Ah oui. Donc je suis allé le faire. Ah oui. Je suis allé. Alors, Michel, vous êtes né le 12 mai 1942 à Grenoble. Après avoir été conçu dans le parloir d'une prison pétainiste. À l'infirmerie. Votre père, qui était un grand résistant, pendant ses études de médecine, était visité par votre mère.
Il a été mis en cabane par Pétain, enfin, le régime de Pétain, comme communiste. Il a foutu tous les communistes, il était communiste jusqu'à Budapest, quoi. Et comme il était étudiant en médecine, les mecs ne sont pas cherchés plus loin, ils lui ont donné les clés de l'infirmerie. Ouais. Et donc, il a reçu ma mère à l'infirmerie il a entrepris un jour ma mère. Voilà. Il a fait un môme et c'est moi. Alors, c'est vrai que votre père, donc, avait été arrêté en 1941 à Vichy pour diffusion de propagande communiste, un grand résistant. Ensuite, il s'est opposé à la guerre en Corée, à la guerre en Indochine. Il a milité pour l'indépendance de l'Algérie en soutenant le FLN. Pas étonnant que vous ayez voté pour Mélenchon. Oui, j'ai voté pour Mélenchon, parce que, et puis il n'y a pas de secret, mais je serais encore plus radical que ça, oui. Ouais. Je pense qu'il faut bousculer très très fort notre pays, changer de république, ça c'est à peu près sûr, parce que c'est une république qui est usée et qui a été faite pour un grand homme, et il n'y a plus de grands hommes. Il n'y a plus de grands hommes, on n'a que des petits hommes maintenant. Boum dans ta gueule. Je pense que Nicolas Dupont-Aignan aime un peu moins les chansons de Je m'en fous éperdument. Je ne suis qu'un citoyen, moi. Me demandes mon avis, je donne mon avis. Alors, pour en revenir à Macron, vous avez dit il n'osera pas s'attaquer aux banques, mais s'il le fait, j'irai l'embrasser sur la bouche. C'est que vous êtes trop jeune pour lui, quand même. Oui, je sais, mais il y a un truc qu'il faut absolument faire, et tant qu'on ne le fera pas, vous serez tous tenus par les couilles, c'est la séparation des banques. C'est-à-dire redevenir banque de dépôt et banque d'affaires. On est d'accord là-dessus. Personne ne le fait. Personne ne le fait. C'est bien. Dernière question, Marie, comment ça va, Marie Fugain? Ma fille Marie, elle est au théâtre, je l'ai vue hier soir. Elle est au théâtre, elle est magnifique, elle est archi bonne. Quelle idée? Elle est dans une pièce qui se monte à Comédie Coubertin. Ça s'appelle Bouquet Final et ma fille est une des fleurs de ce bouquet final. Bon! Maintenant, mesdames et messieurs, on passe à notre invité OVNI de la semaine. Valtre, bonsoir. Vous n'êtes pas vraiment un rappeur comme les autres. Vous n'êtes pas noir. Vous ne passez pas vos journées en salle de muscu. Et vous savez que le verbe croiver n'existe pas, en fait. Alors Val, de votre vrai nom, Valentin Ledu. Vous êtes né le 15 juillet 1992 à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, père ouvrier, mère secrétaire. Vous grandissez dans la cité des mille milles et à 9 ans, vous découvrez votre première toche. Ouais. Et à 16 ans, votre première meuf. Oui, tout à fait. Je suis content qu'on parle de ça. Oui, mais c'est important. Hein. Il faut retracer le parcours. Comment on vient à la vie, tout ça, c'est très important. Il faut dire que la même année, donc, vous avez découvert le rap. Alors, qui vous a le plus influencé au début, Kerry James? Ouais, Kerry James, c'est la légende. Trop fort, Kerry James. Section d'assaut? Tout. Parlons de tout. J'adore Kerry James, j'adore Section d'assaut. J'adore Tandem. Ouais. C'est là que commence votre carrière musicale. C'est le destin. Le destin frappe. Vous vouliez faire quoi à part ça? Moi, je voulais faire de l'argent essentiellement. Ouais. Et puis, un jour, j'ai fait de la musique, quoi. Ouais. Et puis, ça a pris, et puis on m'a envoyé des messages. Ouais. Alors, on m'a signé. Et voilà. Et depuis, je suis un esclave de l'industrie. Vous gagnez de la thune un peu, ouais. Il y a beaucoup de thunes dans la musique, maintenant. Tu prends de la caillasse? Je prends de la caille, je prends du lourd. Alors, aujourd'hui, Agartha, votre premier album, est bientôt platine. C'est pas rien, non? Je suis d'accord avec ça. C'est une bonne nouvelle. Le premier clip qui est sorti, c'est Eurotrap. Il est à 10 millions de vues sur YouTube. Vous êtes anti-bling hein, quand même, parce que vous avez déclaré, dans Eurotrap d'ailleurs, comment faire du rap sans être dissident? Tiens, vous trouvez que tous les mecs qui se trémoussent autour des piscines avec des gonzesses à poil et des Ferrari, c'est un peu ridicule? Ouais, c'était aussi un peu une phrase un peu marrante dans un morceau qui est vraiment pas dissident, mais c'est sûr que je trouve
intéressant de remettre le rap en question sur son propos antisocial. Ouais. Là, tu perds ton sang-froid. Ouais. Vous pensez que le rap n'est pas si antisocial que ça aujourd'hui ? Ouais, je pense qu'il ne l'a jamais vraiment été, mais aujourd'hui, bon, voilà, on fait de l'argent. Ouais. Dans Mégadose, vous critiquez le capitalisme. C'est la société de consommation, tout ça. Non, mais... Tu peux dire à ta sœur qu'elle fait chier tout le monde ? Il y a aussi un morceau qui s'appelle Blanc. Alors ça, c'est très marrant parce que c'est un morceau sur votre couleur. C'est vrai que les Noirs, ils parlent des Noirs. Il n'y a jamais un Blanc qui parle des Blancs. Donc dans Blanc, bah, vous parlez de vous, quoi. Ouais, c'est un beau morceau, c'est bien. C'est quoi d'être Blanc aujourd'hui ? C'est quoi d'être Blanc ? C'est bien d'être Blanc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Type caucasien. On n'a jamais été aussi loin dans l'analyse. Je ne reste pas. Vous n'aimez pas qu'on vous compare à Eminem ? Ouais, non, c'est comme les footballeurs, quoi. C'est le nouveau Zidane. Donc le nouveau Blanc qui rappe, c'est Eminem. Ouais. Mais c'est pas très grave. Hein. Non. Je suis pas agacé comme le gars de tout à l'heure qui était là. Ah ouais ? Ouais, il était vraiment impliqué dans ce qu'il disait. Ça faisait peur à voir. Vous dites, cet album va décider si je reste ou non dans la musique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'avant ça, avant de sortir Agartha, j'avais pas vraiment de certification, on va dire. Maintenant que j'ai ma certification, je suis platine, c'est bon, je suis content. Je vais, ah oui, d'accord. Je vais faire ça. Vous allez continuer là-dedans, là. Ouais, c'est sûr. Vous savez que c'est là où vous pouvez prendre le plus de blé, quoi. C'est carrière. Je vais braquer cette industrie-là. On regarde à quoi ça ressemble. B-A-L-D, dès que j'arrive, tu ne sais plus ce qui t'arrive, tu la joues lascive, mais la flamme je ravive, je suis ton cadeau, la vie ton ami, je pourrais te faire rire comme une ado, je crois en l'avenir, le passé pas trop, le passé pas drôle, le passé pas ma cadence, salope, je galope, je provoque, avalanche, tu croyais pouvoir me tester, avalanche, je suis dans cette pute comme Kenny dans Kardashian, je lui mets les menottes, je suis attachant, je sors les quenottes, je suis pas patient, je suis le médecin, je suis pas patient, elle me bouffe le fruit de la passion, elle me touche, je m'enfuis de la passion, en pantoufle, je suis dans le passion, tu pourras pas suivre son cardio, j'écris des images comme sur les murs de Lasco. Leur vision est trop étroite. Dans la vie j'ai trempé le doigt au grand journal entre un bédois. La tronche est pas la trompe est boîte. Trophée. Trophée. Et voilà, ça s'appelle Trophée. Alors je comprends que dalle, moi. Bah, je comprends pas. Bah oui, c'est normal. Alors... Ils l'ont pas passé à la bonne vitesse non plus. Alors vous dites chanter est totalement nouveau pour moi. Je me suis lancé là-dedans parce que c'est tendance. Ouais, vraiment, le fait de chanter, faire des notes, quoi, c'est... Ouais. Et puis je crois que j'ai une maladie qui fait que quand je chante faux, j'entends pas que je chante faux, quoi. Moi, j'ai l'oreille absolue, mais bon. Non, c'est pas vrai. Alors, vous dites... Comme Van Gogh. Comme Van Gogh, absolument. Vous dites... Je suis le miroir d'une civilisation essoufflée, à court d'illusions, où le sexe, la drogue et les jeux vidéo sont les seuls échappatoires face à l'ennui généré par l'absence d'idéal. Est-ce que vous aimeriez avoir un idéal ? Est-ce que vous aimeriez, par exemple, avoir la foi ? Ah, mais j'ai la foi, j'ai plein d'idéaux et tout. Je suis très optimiste. Oui, bien sûr. Est-ce que vous enviez votre frère qui est devenu musulman ? Très peu, très peu, oh là là. Vous l'enviez pas ? Non, mais je l'aime de tout mon cœur. Gros bisous. Mais il est musulman ? Il était. Il n'est plus. Il est revenu. Ah oui. Merci. Voilà, c'était la P3 de SST. On se retrouve sur Terre après la pub avec Alex Vizorek et notre terrienne du samedi soir, Nomi. Après avoir été captive en Arabie Saoudite, elle est devenue actrice de film X. Bonsoir, les terriens du samedi, nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Michel Fugain, de Nicolas Dupont-Aignan, de Nolwenn Leroy, de Baal et de Laurent Daffy. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso.
Bonjour à tous. C'est la troisième fois que je fais déjà. Oui. Même Jésus n'a pas fait aussi bien. Et commençons par une éphéméride ce 23 septembre. Alors déjà, c'est le jour de la manifestation conduite par Jean-Luc Mélenchon, mais c'est aussi la journée mondiale des sourds. Un mec qui gueule et des gens qui n'entendent rien, la nature est quand même bien faite. Allez, politique française. On commence par notre bien-aimé président. Un journaliste s'est fait voler son téléphone dans lequel il y avait le numéro de portable d'Emmanuel Macron. Il a donc fuité sur Internet. L'occasion était trop belle, Thierry, je me suis sacrifié, j'ai téléphoné, mais je suis tombé sur le répondeur. Bonjour. Jupiter n'est pas disponible pour le moment, car il travaille, il n'est pas fainéant, lui. Vous pouvez lui laisser une pensée complexe après le bip sonore. Si vous êtes Manuel Valls, merci de lui lâcher les basques. C'est bien. Macron, toujours, il a déclaré la semaine dernière « Bayrou m'a beaucoup apporté, mais quoi ?» Alors, on tient M. Dupont-Aignan, spécialiste de politique. Je vous propose donc ce petit quiz. Qu'a apporté François Bayrou ? Alors, A, beaucoup d'emmerdes à Emmanuel Macron. B, sa lettre de démission. C, la poisse, vu les sondages. Ou D, la baballe. Il lui a rapporté la baballe comme Nemo. D. Oui. La baballe. C'est tendu sur un plateau. Ici La Voix. Oui. Alexandre Vizorek. Monsieur La Voix. Vous avez fêté vos 35 ans avant-hier jeudi. 36. J'ai donc décidé, en guise de cadeau d'anniversaire, de ne pas perturber votre rubrique. Merci La Voix. Macron, toujours taclé par Édouard Balladur, qui déclare « Il aime se contempler ben, ». J'espère bien, 26 000 boules les frais de maquillage, il peut se regarder. Et il paraît qu'il se trouve tellement beau qu'il achète régulièrement Paris Match pour s'y voir. D'ailleurs, il est un peu angoissé sur un truc. Il est inquiet de la popularité de Mélenchon. Emmanuel Macron réfléchit à une stratégie pour le contrer. Alors, bon, j'ai une bonne idée, mais c'est peut-être con. Réduire le chômage et les inégalités. Non, c'est con, c'est con. Allez, on passe à la suite. Nicolas Sarkozy l'assure, Brigitte Macron a voté pour moi toute sa vie, a-t-il dit. Alors moi, je ne voudrais pas paraître désobligeant, mais il est probable qu'une fois, elle ait quand même voté Pompidou. Stéphane Bern. Stéphane Bern vient d'être nommé Monsieur Patrimoine par Emmanuel Macron. C'est à peu près aussi idiot que de nommer Philippe Risoli à l'économie parce qu'il a présenté le juste prix. Il sera chargé de lister et sauver les monuments en péril. Alors ça consiste en quoi, Thierry ? Je n'en sais rien. Arroser Valéry Giscard d'Estaing pendant la prochaine canicule ? Je ne sais pas. Sans transition, le Parti Socialiste va mettre en vente son siège rue de Solferino. Eh bien, premier échec pour Stéphane Bern. Après s'être débarrassé de ses électeurs, le Parti Socialiste veut donc se débarrasser de son siège. Et vu l'état de santé du PS, je vous conseille, Thierry, de l'acheter en viager. Ça peut aller très vite. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, est revenu sur la question de la PMA, ce qui est cohérent pour un ministre de l'Intérieur. Il a exprimé sa crainte qu'elle conduise des gens à se retrouver cousins sans le savoir. Waouh ! Vous ne savez pas hein, qui pratiquait la génétique en freelance. Ça peut donc conduire des gens à se retrouver cousins sans le savoir et c'est peut-être le seul argument qui pourrait faire changer d'avis Christine Boutin sur la PMA. Oui. Tant qu'on est avec le ministre de l'Intérieur, cette info à l'échelle européenne, immigration en cas de doute, les jeunes migrants doivent être considérés comme mineurs. Et c'est pile l'inverse de la position de Jean-Luc Lahaye, qui en cas de doute, considère toujours la fille comme majeure. On a réveillé les gros dégueulasses. Passons au reste de l'info politique. Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes dans l'info évidemment. Vous lancez la plateforme participative Les Amoureux de la France. Alors attention, il y a déjà un parti qui avait déclaré sa flamme à la France. Hein, on le reconnaît. J'espère que vous aimez le couscous parce qu'à mon avis, Florian Philippot va vous passer un coup de fil pour aller en manger un. Et c'est triste cette affaire, Philippot. Au final, Marine Le Pen qui perd son bras droit. Du coup, ça va être très difficile pour. Oui, ouais. Voilà, elle va pas y arriver. Allez, ouais, c'est visuel. On termine par une jolie nouvelle en politique. Et ça, c'est tout plaisir à tout le monde. François Hollande s'est fait introniser à la confrérie du melon. Et ouais, ben je peux vous dire qu'Arnaud Montebourg est extrêmement vexé parce qu'il pensait que c'était pour lui, évidemment.
Merci du geste. Société à présent atteinte de la maladie de Charcot, ayant annoncé son intention de venir mourir en Belgique, l'écrivaine française Anne Berthe a annoncé que son livre ne paraîtra qu'après sa mort. Et on la comprend. Hein, quitte à déjà souffrir, autant s'éviter d'aller s'imposer la vie de Yann Moix et Christine Angot sur ton travail. Sport. Tennis, évidemment. La finale de la Coupe Davis, ce sera France-Belgique, Thierry, ah évidemment. Oui. Et la décision est tombée, ça se jouera à Lille. Alors pour nous, c'est cool, parce que c'est pas loin de la Belgique, mais pour l'équipe de France, bah, ça fait quand même une petite trotte pour venir de Suisse. Et... Bravo. Football. Et le footballeur Levin Kurzawa aurait été victime d'un chantage à la vidéo et des individus l'auraient menacé de rendre publique une vidéo où il critique le sélectionneur national Didier Deschamps. En même temps, vu son niveau, les vidéos les plus compromettantes pour sa carrière en ce moment, ce sont celles de ses matchs. Mais qu'il ne s'inquiète pas, Kurzawa, des vidéos de Bruno Le Maire où il critique ouvertement Macron circulent et il est quand même ministre. Les brèves, évidemment. Ivre, elle meurt après être rentrée dans un congélateur. Vraisemblablement, un goûter d'anniversaire chez les Courgeot. Mexique, un assistant tué alors qu'il faisait des repérages pour Narcos. Et ça, les séries américaines, c'est quand même classe, ça a de la gueule. Imaginez en France, Ardèche, un assistant découvre un superbe cendrier en rotin alors qu'il faisait des repérages pour Louis la Brocante. Et la dernière, un retraité déclaré mort doit prouver qu'il est vivant. Vie de merde en ce moment pour Jacques Chirac. Et on termine par la culture, Thierry. Ah oui. Alors, ça vous aimez, je vous donne des petits conseils pour sortir, super, pour aller voir des expositions. L'expo la plus attendue de la rentrée à Paris, c'est peut-être celle-ci, Irving Penn, qui bien aurait sûr eu 100 ans. Et le Grand Palais consacre une grande rétrospective à ce photographe de mode, célèbre également pour ses portraits et ses natures mortes. Alors voilà, et on en voit une ici, sans doute commandée par le ministère de la Santé, hein, pour rappeler le message 5 fruits et légumes par jour. Globalement, quand on voit la plupart de ces natures mortes, on va en voir une autre. En gros, Irving Penn, c'est pas grand-chose d'autre qu'une blogueuse food sur Instagram. Et on se dit qu'il aurait pu participer à un dîner presque pas fait. Voilà, c'est, ici, il y a une photo plus impliquée. Hein, voilà, c'est une mise en abîme de Omar m'a tué. Et voilà, une nature morte voilà, plus sobre, à mettre en parallèle avec une autre nature morte qu'on va voir ici. Et là, les plus philosophes d'entre vous se demandent, mais qu'est-ce qui a été photographié avant, l'œuf ou la poule? Et ouais. Il n'a pas fait que des clichés de bouffe, il a connu toute une série sur les mégots. Le CSA me dit que peut-être on va... Voilà, c'est important. Voilà, comme ça, on est réglo. Je pense que vous avez des problèmes à cause de moi. Et bien sûr, Irving Penn a photographié des gens. Voilà, on voit cette photo. Sur cette photo, on se rend compte qu'au fond, les Beatles n'étaient pas si moches et les Républicains n'étaient pas si unis. Plus conceptuelle, l'œuvre suivante, baptisée « Face de football ». Et c'est vrai qu'il y a un indéniable air de Franck Ribéry sur cette photo. Ou celle-là. Celle-là est le premier qui fait une blague sur Nomi, la madame qui fait du X, qui va venir en fin d'émission. Je dis non, parce que c'est du lait, bien évidemment, Thierry. Et la dernière, elle est cadeau pour vous, presque un hommage, une œuvre qui résume toute votre vie, Thierry. Une huître, un gros billet, une pilule de Viagra et un morpion. Oh, allez, à la semaine prochaine. Bravo. Et n'oubliez pas que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo, c'était 10 heures. On se retrouve ici la semaine prochaine et d'ici là sur cu.fr. Nicolas Dupont-Aignan, merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse filer. À bientôt. Au revoir. Merci. On passe maintenant à notre terrienne du samedi soir. Nomi, bonsoir. Bonsoir. Alors, Nomi, c'est le nom que vous portez dans les 140 films X, oui, que vous avez interprétés. Pour l'état civil, votre prénom, c'est Isabelle. C'est ça. Alors, pourquoi cette carrière dans le cinéma porno? À cause d'une princesse saoudienne qui vous a séquestré pendant des mois. Vous racontez votre histoire dans un livre intitulé « Totalement dévoilé », publié chez Pygmalion. Oui.
Vous êtes né le 25 juillet 1969 à Saint-Quentin. Comme par hasard. En Picardie. Alors, enfant, vous manquez d'amour, vous manquez de tendresse, hein, parce que votre mère était très bigote. C'est ça, exactement. Puis on était une famille nombreuse, donc il était difficile, à mon avis, de s'occuper de tout le monde de la même façon. Elle s'occupait beaucoup des plus petits. Très jeune, vous remarquez que vous faites de l'effet aux hommes. Oui. Alors, l'école vous ennuie ? Oui, beaucoup. Vous préférez la danse ? Oui. Vous vous rêvez en petit rat, à l'époque, en petit rat de l'opéra. Et c'est à 11 ans que vous connaissez Isabelle, votre premier orgasme, en montant sur une corde à nœuds. D'où le nom. D'où le nom. Alors, c'est votre grand-oncle qui va prolonger ce premier émoi. La nuit, il se glisse dans votre lit et vous caresse. Et finalement, vous recevez enfin de l'affection. Oui. Et par rapport à l'affection que votre mère vous donnait, vous en avez besoin et vous acceptez ça assez facilement, finalement. Oui, puis ça me fait du bien. Alors, ça, dans ma tête d'enfant, ça n'est pas sexuel. C'est juste des guilis. 4 ans plus tard, c'est un prêtre qui succède à votre oncle. Il vous enseigne le français, mais il effleure aussi vos seins. C'est ça, il corrige mes fautes d'orthographe lors de dictées et il passe sa main dans mon corsage. Mais l'homme qui compte le plus, c'est un autre oncle, alors qu'il s'appelle Tonton Bernard. Alors lui, c'est un homo d'abord, discret mais homo, dandy, extrêmement raffiné. C'est lui, en fait, qui vous fait progresser. Ouais, j'adore mon tonton. Ouais, sur le plan culturel, intellectuel, il vous aide beaucoup. Il m'apprend à bien me tenir à table. Voilà. C'est le bon oncle de la famille, en fait, tonton Bernard. En 1985, vous avez 16 ans. Vous faites l'amour pour la première fois avec Sébastien. Ouais. Et ça se passe au camping d'Alvar, dans l'Isère. En Savoie. Voilà. C'est bien Alvar. Oui, c'est ça. Alvar. C'est en Savoie. Et là, alors là... La première... Ici, la voix. Oui. La direction du camping d'Alvar oppose un démenti formel à vos allégations. Je dirais même méprisant. Là, vous vous montrez déjà très soumise. Vous faites tout ce qu'il veut, Sébastien. Oui, c'est vrai, parce que déjà, c'est ma première fois, donc je suis quand même un peu timide, on va dire. Et puis c'est certainement mes expériences précédentes qui font que, quelque part, j'avais l'âge. Ouais. En 1988, là, vous avez 19 ans. Vous rêvez d'une autre vie, vous vous imaginez danseuse et vous quittez votre Picardie natale avec votre petit ami du moment qui s'appelle Stéphane. C'est ça. Direction Cannes. Alors lui, c'est plutôt culturisme que culture, hein, celui-ci. Hein, oui, c'est ça. C'est le vrai garçon, quoi, la moto, c'est la guitare. Ouais. Et là, mesdames, messieurs, le destin. Vous tombez sur une petite annonce. Cherche professeur pour donner des cours de danse pendant 6 mois à des enfants en Arabie Saoudite. Vous répondez. Bah oui. Vous êtes convoqué. C'est ça. Convoqué où ? Chez la princesse, qui avait une villa à Cannes. Quand elle vous ouvre la porte, elle vous demande de danser. Oui, c'est ça, de danser, de donner un cours de danse. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien, d'autant plus que je me retrouve devant une très jolie femme, longue... tailleur, queue de cheval. Là, vous vous dites, j'ai décroché le jackpot. Alors, pas de jackpot, mais en tout cas, je vais pouvoir faire ce dont j'ai envie. Je vais pouvoir travailler et enfin donner des cours de danse. Voilà. Classique. À 22 ans, vous prenez l'avion pour la première fois pour vous envoler vers le pays d'Aladin. Oui, c'est ça. En arrivant à Riyad, les autres femmes du voyage ont disparu. Mmh. Vous vous retrouvez non voilée au milieu d'hommes. Oui. Et à ce moment-là, il y a un mutawa, c'est-à-dire la police religieuse d'Arabie Saoudite, qui vous tombe dessus avec haine. Ah oui, 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 bien sûr. Je n'avais pas de voile. Et moi, je ne savais pas qu'il fallait être voilée. Je suis partie normalement, comme ça. Donc le mutawa vous tombe dessus, vous vous retrouvez dans une petite pièce de l'aéroport, enfermée, vous êtes en panique. Et là, on vous ordonne de vous couvrir et on vous confisque votre passeport. Tout à fait. C'est ça, ça se passe comme ça. Donc on me pousse dans une petite pièce, on me donne ce qu'on appelle une abaya, un voile, qu'on ne m'explique pas comment mettre, donc je le mets sur mes cheveux. On me dit qu'on ne doit pas voir mes poignets, mes chevilles, on ne doit rien voir en fait. On est loin des mille et une nuits quand même là. Oui, on est loin de la danse du ventre, ouais, c'est sûr. Alors là où vous commencez à flipper, c'est en arrivant au palais de la fameuse princesse. Une chambre assez ingrate, bien loin de vos rêves. Vous rêviez de tapis, de jasmin, de miel, de dattes.
Oui, vous rêviez de l'Orient. C'est ça. Mais pas du tout. Je me retrouve dans une chambre plus que médiocre, un petit lit, un petit lavabo, une douche où l'eau coule jaune. C'est sale, il y a ce qu'on appelle des arzomeya, c'est-à-dire des espèces de gros lézards à l'intérieur. Ah, voilà. La porte claque dans votre dos, vous allez rester enfermé pendant des jours, sans information, sans contact, juste un garde qui vous apporte de temps en temps à manger. Ouais, un plateau, ouais. On ne vous dit rien. Non, on ne me dit rien. Et donc, le seul contact que j'avais, c'était effectivement une grosse main qui cogne à ma porte et qui dépose un plateau sur le pas de porte. Qu'est-ce qu'il y avait sur le plateau ? Alors, il y avait un espèce d'oiseau bouilli. Alors, c'était tous les jours la même chose. Hein. Une espèce de moineau bouilli, une espèce de petite salade non assaisonnée de tomates et de poivrons et du riz de temps en temps à écosser en plus. Hein. Et vous êtes obligée de porter la baïa en plus ? Alors, je suis obligée de porter la baïa, mais dans ma chambre, je ne la portais pas. Ouais, faites comme vous voulez. À force d'être enfermé jour et nuit, vous vous résignez à la docilité en bien disant sûr. Vous subissez votre situation. De toute façon, vous n'avez pas tellement de moyens sortir. Il faut bien dire les choses. Voilà. Un jour, vous pouvez sortir pour aller remplir votre broc d'eau à la fontaine et vous tombez sur quatre Algériennes prisonnières comme vous. Oui, c'est ça. Vous dites quoi, là ? Elles me disent, alors elles parlent français. Et me disent, mais qu'est-ce que tu fais là ? Si tu peux partir maintenant, pars. Est-ce que tu as encore ton passeport ? Si tu as ton passeport, essaie de partir. Sinon, tu ne rentreras jamais. Ouf. Ouais. Voilà. Et ensuite, elles s'en vont, parce qu'elles ne peuvent pas rester très longtemps autour de moi. Tout ça en prenant de l'eau, elles aussi. Donc, c'était une conversation un peu cachée. Et d'ailleurs, je ne les ai jamais revues. Parce que je pense que soit elles ont été dénoncées, soit quelqu'un les a vues. Alors, les jours passent dans ce caravansérail baptisé Centre de Beauté, ouais. Jusqu'au jour où vous rencontrez la fameuse princesse. Oui. Voilà. Alors, cette princesse, c'est la troisième épouse, la plus jeune, la plus jolie, la préférée d'un vieux prince assez repoussant. Alors, le prince, je ne l'ai jamais vu. Mais on m'en a parlé. Moi, je ne l'ai jamais vu. Effectivement, c'était un homme qui apparemment avait 71 ans à l'époque. Elle en avait 26 ou 27. Elle vous fascine quand même un peu, la princesse. Ben oui, elle me fascine parce que déjà, je ne retrouve plus du tout la même personne. Là, elle porte la baïa, elle porte le voile, elle a le Coran dans les mains. Elle est très stoïque, très dure aussi dans son regard. Le contraire de ce que j'avais vu en France. Ouais. Mais elle me fascine aussi. Elle vous fascine, vous êtes un peu quand même dans le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire la victime qui aime son bourreau, quoi. Oui, parce que je me mets aussi à sa place, j'ai de l'empathie, bizarrement, donc je me mets aussi à sa place et je me dis, mais quelle vie est là, cette femme ? Et quelque part, elle, sa haine de l'être humain, c'est sur nous qu'elle l'a. Ouais. Ouais. Alors elle vous explique que vous allez donner des cours de danse, 3 heures par jour, avant le goûter, à des jeunes princesses saoudiennes. Ouais. Voilà. La routine s'installe, votre désespoir se creuse. Alors là, vous sympathisez donc avec des Indiennes qui travaillent dans les cuisines et un prof de piano philippin. Ouais. Alors lui, il est homosexuel. Ouais, c'est pour ça qu'il est là, d'ailleurs. Mais lui, il sort la nuit, il escalade le mur. Ouais. Ouais. Sauf qu'un jour, il ne revient pas. Quoi. Un jour, il ne revient pas. Alors, soit il a été pris, c'est pareil, soit il a été dénoncé, mais effectivement, il disparaît. Ouais. Ouais. Et là, miracle. Une élève libanaise de 14 ans accepte d'envoyer vos lettres à votre famille. Et finalement, l'ambassade de France finit par intervenir et s'en occuper. Et après 299 jours de séquestration, vous êtes libérée. C'est ça. Un garde vient frapper à ma porte et me dit... Yalla, yalla, bara Francia. Voilà. Merci la France, là, quand même. Oui, merci la France, merci maman aussi, certainement. Oui, parce que vos parents, évidemment, merci maman, s'inquiéter quand même un peu. Alors, arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, un Saoudien vous rend votre passeport. C'est-à-dire, jusque-là, vous n'aviez plus de passeport. Mmh. Et vous partez à Nice rejoindre votre ex-Jules, Stéphane. Oui, c'est ça. Alors, j'arrive à Nice. Et je pars sur Cannes, parce que j'avais laissé mon petit copain à l'époque sur Cannes. Voilà. Sauf qu'il n'est plus là du tout, je l'ai laissé.
Oui, le Stéphane, ouais. Faut dire, il a vidé votre compte en banque, il a pris le pognon que la Saoudienne vous avait donné. C'est ça. Et un jour, il y a une gonzesse qui vous appelle en vous disant, tu sais que ton mec te trompe. Donc le Stéphane... Ouais. Là, vous glandez quelques semaines, assommé par les antidépresseurs, jusqu'au jour où le destin frappe à nouveau. Un photographe vous remarque et vous posez pour ce photographe dévêtu. Un photographe amateur. Amateur. Mmh. Mmh. Ça vous plaît de poser nu? Oui. Je me dévoile enfin. Et enfin, je me sens libre. Ouais. Aimer et regarder. Alors, un peu plus tard, un agent vous propose de devenir gogo danseuse. Oui, c'est ça. Voilà. C'était l'époque. Voilà. Et en 1997, donc, vous avez 28 ans, vous exécutez des striptease à Cannes pour le festival du X, les fameux Outdoor. Et là, vous basculez dans un autre monde, un monde, le monde du porno, qui vous séduit instantanément. Vous dites, je venais de trouver mon peuple. C'est ça, exactement. Pourtant, je n'avais jamais regardé de film porno, je ne connaissais absolument pas ce milieu. Mais voilà, les portes se sont ouvertes quelque part et je me suis retrouvée chez moi. Et voilà. Ouais. Un an plus tard, vous participez à votre premier tournage, donc là, Adieu Isabelle, Nomi est née. Nomi, c'est votre nom de cinéma. Le succès est au rendez-vous et là, bizarrement, votre père vous encourage. Il me tape sur l'épaule, il me dit alors, il paraît que tu fais du cinéma. Et je lui ai dit oui papa et il m'a simplement dit ma fille, fais attention à ta santé. Et avec un large sourire, c'est pas de l'encouragement, oui. C'est ne t'inquiète pas, je t'aime, quoi que tu fasses. C'est bien. C'est ça. Alors le pire, c'est que votre mère, un jour, vous demande une photo dédicacée, oui. Pour une amie à elle, quoi. Pour une amie à elle et son chef de service, je crois, qui elle lui avait montré des photos de ses filles, parce qu'elle a 4 filles, et il lui a dit, mais celle-ci, on la connaît. Eh oui. Là, vous rejoignez les productions Marc Dorcel. Oui, ouais, vous gagnez bien votre vie. Vous faites un peu, des fois, du freelance dans le privé, quoi, évidemment. Je m'amuse. Et un jour, vous êtes invité dans une soirée. On y revient. Dans une soirée à Las Vegas avec... Avec Eminem, eh oui. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il ne vous a pas touché. Il passe la soirée à jouer à la PlayStation, quoi. Non, mais c'est ça. Il est là avec ses potes. Et il est venu piocher quelques actrices au salon du X qui se passait à ce moment-là à Vegas. Et voilà, on joue, on s'amuse, on joue au baby-foot. Enfin, voilà, c'est... Alors, vous serez Nomi Star du X jusqu'en 2014. Et là, vous arrêtez. Vous vous reconvertissez dans l'immobilier. Oui, c'est ça. Pourquoi l'immobilier ? Parce que c'est ce qui est arrivé, en fait. Ah oui, l'opportunité, ouais, voilà, j'ai une bonne étoile. Oui, vraiment. Oui, je sais. Et aujourd'hui, vous gérez des biens. Et aujourd'hui, je gère des biens immobiliers, ouais. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi. Avec Michel, Nicolas Dupont, Nolwenn, Fedlodovet, No. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous demain à 19h05 pour les Terriens du dimanche. D'ici là, sur C8.fr pour revoir l'émission. Et n'oubliez pas, les Terriens n'ont peur de rien. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.